Je vais refaire ma chambre. Bah je crois que c'est le moment d'agir. Pourquoi il y a de la poussière, je viens d'aspirer. Je crois que j'ai juste des fesses moches, mais que je veux pas me l'avouer. What the fuck? Oh my god. Vous êtes tranquille en train de regarder ma vidéo et vous me laissez faire ça toute seule. Mon dieu, mais qu'est-ce que je fais? Salut les ploucs! Comment est-ce que ça va today? Moi, malgré ma nouvelle coupe de cheveux que... Hein, ceux qui ont vu le vlog d'hier, vous savez, hein? Bah ça va quand même, parce que aujourd'hui, je vais refaire ma chambre. Hier, je vous ai dit dans le vlog, j'ai envie de refaire ma chambre. Et bah, je crois que c'est le moment d'agir. On a parlé, et maintenant, on passe à l'action. Je ne sais pas comment encore je vais refaire ma chambre. Ça va être du gros bordel. Mais bon, première étape, on va faire un gros tri. Parce que ma chambre, il y a des cartons, il y a des fringues, il y a n'importe quoi. Genre ça, ça, ou encore ça. Pour commencer, au mieux qu'il soit ma nouvelle chambre, nouvelle area. Je sais pas comment on dit ça en français, mais bref, t'as capté. On va commencer à trier, et comme j'ai plus beaucoup de batterie, quand ma caméra s'éteint, je continue à trier solo. Bienvenue dans mon bordel. Ici, c'est censé être des fringues que je veux donner, que je veux vendre, que je veux... Je ne sais pas. En tout cas, c'est des fringues que je ne veux plus. Donc, on va s'en occuper. Alors, tout d'abord, il y a un sweat. Il est mignon, mais il est un peu petit et j'ai 3 milliards de sweats. Donc, j'essaye de garder vraiment les pièces que j'adore. Un petit short. En fait, ça, je vais le garder. Pourquoi c'est ici? Je l'aime. Un jean, je trouve qu'il me taille pas bien en fait. Ça me fait pas des belles fesses et voilà. Allez hop. Quand je vais les mettre dans des cartons, dans ma cave ou je ne sais où. Un sweat marron. Bon, il est mignon mais pas mon préféré. Un jean en cuir, je suis dégoûtée comment je l'adore, mais en fait il me va pas du tout. Mais il est tellement beau. Il est en cuir marron. Ça pourrait faire des tenues de dingos, mais je sais pas. Il me va trop pas bien. Vraiment, ça me fait des fesses dégueulasses. Ça, c'est des chemises que ma mère m'avait dit de vendre sur Vinted. Oui, maman, je l'ai fait. Non, parlons même pas. Ça, c'était un sweat que j'avais offert à mon frère. Un jean blanc, j'en ai 3 tonnes et lui il me va pas. J'ai des fesses moches avec. Je crois que j'ai juste des fesses moches, mais que je veux pas me l'avouer. On a plutôt bien avancé. Ok, non, ok. On dirait qu'il y a le bordel dehors, derrière. Mais je vous jure que c'est pas le bordel. C'est juste trié. Déjà, ici, il y avait un gros carton. Ici, il y avait plein de trucs inutiles. Et ici, aussi, un gros carton. Donc là, en gros, c'est trié. Mais c'est pas rangé. Je pense avoir fini l'emplacement, la confection de ma chambre. Pour moi, les meubles vont rester là. Quoique, hyper galère de refaire une chambre. Je vous montre. Du coup, on arrive ici à mon lit, plein de bordel, ma petite truc de youtubeuse. Mais tout ça, je trouve ça trop beau, donc je pense que je vais pas le bouger. Ici, il y a mon meuble à fringues et là mon bureau. Mais j'ai l'impression que là, ça fait bizarre. Sachant que tout ce qu'il y a au mur, du coup, ça va bouger, hein, on soit d'accord. Je n'arrive pas à prendre de décision. C'est hyper galère en vrai. Mon dieu, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Mon lit, il bouge pas. Bon, ça y est, je ne bouge plus mes meubles de place. Maintenant, je dois ranger. J'ai envie de pleurer. Bien évidemment, la déco va changer. Mais déjà, on va ranger. Histoire d'avoir une idée globale de à quoi ressemble ma chambre. Et comme ça, la déco, lorsqu'on s'en occupera dans la partie 2 du vlog, j'ai envie d'acheter des LED. Parce que j'adore les LED. Et voilà. Mais je pense qu'on est déjà pas mal. Franchement, on a pas mal avancé. Maintenant. Tout ça, c'est des trucs qui me servaient pas. Des cartons vides et tout. Mon dieu. Oh, j'ai froid. J'ai pas ma dégaine, ok. Je suis propre, je suis en pyjama de Noël. Ma vie à Loca. Et j'ai mis mon énorme plaid. Mais là, faut que je fasse une petite pause dans la déco de ma chambre et tout. On se calme et on révise les partiels. Il s'agirait de réviser. Je pars pas une ligne de plus et je révise. Nicolas Chaud et moi, on s'était dit qu'il était temps que je vous montre un petit peu où ça en est dans ma chambre.
Je l'ai fini. À la déception. Du coup, je vais vous montrer un petit peu les avancées et après on va se poser pour que je vous parle un peu du mood que je veux transmettre dans ma chambre. Du coup, là, c'est pas du tout ma chambre finale. Pas du tout, du tout. On va refaire la déco. Mais déjà, comme ça, vous voyez l'emplacement des meubles et c'est déjà une grande partie de la chambre. Donc, ta-da-da-dam, ta-da-dam. Voilà ma chambre en gros. Ici, il y a mon lit. Bon, ça, c'est mon plaid. Bref, on s'en fout. Ici, mon petit bureau. Là, mes cadres que j'adore. Je pense les laisser là. Non, non, non. Ici, il y a mon meuble avec des fringues, mon bureau et mon truc de YouTube. Mon étagère, mais je préfère appeler ça truc de youtubeuse. Du coup voilà, pour le moment les guirlandes ici, je trouve que ça rend trop bien, du coup j'adore, mais les photos on va bouger ça, on va bouger, le happy je pense que je vais changer de place, les photos on va bouger les fleurs et tout on... enfin les fleurs, les fausses plantes, tout ça, on va essayer de tout bouger parce que je ne veux plus vraiment ce mood dans ma chambre, ça m'a un peu saoulée. Et ce miroir, je n'en peux plus, tout le monde l'a eu, mais je le trouve moche, je vous jure, je l'ai tellement vu et revu que j'en peux plus. En termes d'ambiance que j'aimerais donner à ma chambre, déjà j'aimerais enlever toutes les photos qu'il y a au mur, tous les trucs, j'en veux plus. Genre ça fait des années que j'ai le même type de déco et j'ai envie de move on, de passer à autre chose. Donc je pense qu'on va tout enlever et tout refaire. J'ai aussi envie de fausses plantes, j'ai envie de LED, j'ai énormément envie de LED. Parce que le soir je trouve que ça fait toute l'ambiance d'une chambre. Vraiment, achetez des LED si vous voulez changer votre chambre. C'est juste un truc que t'achètes et ça change tout. J'adore les fausses plantes, j'en ai déjà pas mal, mais encore un peu plus, c'est pas mal. Mais j'aimerais donner un côté un peu plus chic et épuré à ma chambre, donc peut-être qu'on va plus partir sur des fleurs séchées, je sais pas trop encore, mais en tout cas je pense que je vais acheter des trucs blancs pour un peu épurer ma chambre et que je vais enlever les trucs au mur, mais les remplacer par quoi, je ne sais pas encore. L'heure de commander de la déco pour my room. Donc nous allons passer quelques commandes sur internet. Je vais pas vous montrer exactement les articles que je prends, comme ça il y a un peu de suspense pour la prochaine vidéo en fait. Et alors qu'est-ce que nous allons acheter? Déjà j'ai trop envie de mettre des LED, j'ai trop envie, je trouve que ça rajoute vraiment, c'est la touche finale de la chambre. Est-ce que vous avez des LED dans votre shop? Je pense que beaucoup de personnes en ont, clairement ça a percé sur TikTok et c'est à cause de ça que j'en ai acheté. Hop, j'ai envie d'un nouveau plaid en mode tout blanc, grave Noël, grave. J'ai envie d'un nouveau plaid, des nouveaux petits coussins, des coussins décoratifs. Et qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Pourquoi pas prendre un nouveau meuble? Enfin genre pas un meuble mais un truc pour mettre ma skincare et tout. Vous en pensez quoi? Je pense que ça peut être pas mal. Truc skincare doré. Ah, hop là. Bon, voilà les plus. Moi je vais aller répondre à vos commentaires parce que j'adore faire ça, c'est incroyable. D'ailleurs les loulous, non, les ploucs, pardon, en reprenant les habitudes en fait, je veux absolument savoir votre série ou alors votre film préféré dans les commentaires, comme ça bah ça me donne des petites idées pour mes petites soirées cocooning avec mes chocolats chauds. J'attends de vous lire et mettez le smiley que vous voulez dans les commentaires, je vous laisse le choix aujourd'hui, mais demain c'est moi qui donne les ordres. Je vais faire le montage de ce vlog, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Je le rappelle, c'est du lundi au vendredi tout le mois de décembre. J'ai payé tout le mois de décembre. Ok, il est tard, c'est bon. Bref, les ploucs, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Love you.